le tour. Moi, je vais intervenir rapidement et laisser plutôt la parole à mes collègues, mais réagir sur une chose. Déjà, donc, merci, hein, parce que c'est très riche comme intervention que vous me proposez. Et donc, vraiment, merci infiniment de nous aider. Ma question est la suivante. En fait, donc j'ai opiné tout le long et puis je suis plus d'accord sur la conférence régionale et votre réaction. C'est bien ça mon problème à ce stade. Je vais vous le dire autrement. Je suis maire rural, maire d'une petite commune. Je ne suis pas arrivé à me faire entendre de l'EPCI, du SCOT, encore moins de la région. Ça arrive. Je ne me sens pas concerné par le ZAN. Je subis le ZAN. J'ai l'impression que c'est un truc de riche, un truc de métropole. Voilà. Et pour autant, c'est un objectif que je partage, parce que je ne suis pas idiot. J'ai compris que l'air du temps me le demande. Outre, Ronan me fait les gros yeux si je suis conscient de l'urgence climatique. Voilà, admettons. Voilà. Voilà. Par ailleurs... non, mais... Quels que soient les bancs, on a voté la territorialisation, qui veut dire un droit de proposition exercé par les SCOT avant le 22 octobre dernier. Il faut être franc, l'État n'a rien fait pour que ça marche, cette affaire, parce qu'il ne voulait pas, parce qu'il ne pouvait pas, enfin, il y a mille raisons, de sorte que sur votre table, le 22 octobre, il n'y a pas grand-chose. Et là, on a deux types de régions, je le dis de manière très très rapide et caricaturale, parce que ça, j'accélère. Il y a les régions qui s'embarrassent et celles qui s'embarrassent moins. Alors celles qui s'embarrassent parce que se sentent imprégnées de ce chef de fila, la transition écologique, et puis il y en a même certaines qui veulent créer une agence régionale, etc. Et savoir même à la commune près ce qui va se passer sur l'artificialisation pour décider à la commune près, je caricature. Voilà. Mais il y a celles qui ne veulent pas s'embarrasser parce qu'en réalité, droit de proposition veut dire demande de différenciation. Et après, vous avez à dire toi oui, toi non, toi plus, toi moins. Et vous ne voulez pas, vous, région de France. Voilà. Sauf à avoir une vision d'ensemble. Voilà. Voilà. Alors donc là, notre territorialisation, ben c'est un échec. Ce qui fait que la colère est intacte, quels que soient les bancs, et ça devient une mission conjointe de contrôle qui dépose une proposition de loi. Et il y a cette commission spéciale aujourd'hui, où on a plusieurs réponses à apporter, notamment deux. Qu'est-ce qu'on dit à ces maires ruraux, à ces petites communes, du littoral, de la montagne, à chaque fois, j'oublie pas, voilà, qui n'ont pas réussi à se faire entendre? On propose deux filets de sécurité. Pourquoi ce droit universel? Ce droit universel, parce qu'on ne veut pas opposer l'urbain et le rural, parce qu'il est, alors, il est universel, comme son nom le propose. Alors, on constate déjà sur le terrain que ça rassure beaucoup d'élus d'entendre parler de cet hectare-là, alors qu'il n'est pas un hectare open bar qui sortirait du ZAN, c'est dans le cadre des procédures, évidemment, d'urbanisme. Mais il rassure déjà. Alors, le ministre nous parle du droit au 1%. On n'en sait toujours pas plus sur ce 1%, ce qu'il implique et qui sort gagnant de cette affaire. Voilà. Mais c'est pour ça. Et la part réservée ruralité, c'est un peu ça aussi. C'est pour donner un deuxième motif à nos élus de se rassurer et d'aller dans le ZAN, quoi qu'on en dise. La gouvernance, c'est quoi? La gouvernance, c'est parce qu'on a l'impression depuis le début que... on a quelques hauts fonctionnaires qui définissent en accord avec eux-mêmes, de manière unilatérale et un petit peu arbitraire, ce qu'est un projet d'intérêt national. Outre qu'entre-temps, on a des décrets qui reviennent sur tout ce qu'on a voté, et que non seulement on ne sait pas ce que c'est qu'un projet d'intérêt national, mais ça ne sort pas vraiment du décompte. Enfin, ce n'est pas décompté, ce n'est pas compté à part. Voilà. Outre que le fait que les décrets reviennent sur quasiment tout ce qu'on a voté. Voilà. Mais voilà, les projets d'intérêt national, on s'est dit, quand même pas mauvais de demander aux élus ce qu'ils en pensent. Voilà. Alors, je sais bien qu'on en a marre des CTAP, on en a marre de tous ces dispositifs qui sont lourds à gérer, qui existent déjà. Alors, cela dit, vous dites, c'est intéressant dans votre propos, vous dites ça marche. Alors, c'est la première fois que j'entends ça, qu'une CTAP ça marche, qu'une conférence ESCOT ça marche. Merci de ne rien rajouter. Mais il se trouve que les élus hyper ruraux que nous avons là, eh bien, ils ont toujours l'impression que leurs élus les plus ruraux dans leur département eh bien, n'arrivent pas à se faire entendre dans une conférence ESCOT, n'arrivent pas à faire valoir leurs spécificités. Donc, notre autre question, c'est ça, c'est comment faire en sorte que puissent malgré tout donner un avis sur qu'est-ce qu'un projet d'intérêt national, qu'est-ce qu'un projet d'intérêt régional, et puis cette gouvernance du ZAN au quotidien. Alors qui serait un quotidien annuel, un rendez-vous annuel. Je renature, est-ce que je peux récupérer des droits? Est-ce que j'ai pas besoin de tous ces droits? Est-ce que je peux les transférer? Enfin, un peu de souplesse dans ce truc. Alors voilà, alors d'où la question récurrente de la présidente, si c'est pas ça qui marche, quelle forme de gouvernance on peut imaginer, vous voyez? Mais c'est un peu ça, sous le souci de la gouvernance, c'est les questions que nous nous posons, vous voyez? Donc en fait, ma question c'est ça, c'est est-ce que... Est-ce que vous... Parce que je pourrais faire aussi une petite sortie sur la concertation, parler de la concertation des SCOT et des PLUI et des PLU. Mais une concertation d'un SRADET. Moi, j'ai des remontées dans ma région. Alors voilà, on fait des ateliers.
Les maires vont coller un post-it contre un mur pour dire ce qu'ils veulent, voilà. Et au bout de 2 heures, on fait une synthèse, voilà. Il m'est même arrivé de voir une vice-présidente avoir sur son ordinateur un PowerPoint. C'était en novembre du mois de février. Elle savait déjà ce qu'elle allait dire en février. Donc en réalité, pas vraiment de discussion autour des propositions, les rares qui ont été déposées. Vous voyez, je suis un peu véhément, mais c'est pour aller vite et c'est pour vous faire réagir parce que c'est un propos évidemment très intéressant que proposer. Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire, Madame la vice-présidente? Madame la vice-présidente, et juste quand même, le changement de nature du SRADET qui devient prescriptif si effectivement le gouvernement va au bout, justifie aussi l'attente forte des niveaux de collectivités infra qui se disent « mais moi, où je me manifeste, où j'exprime mes priorités, mes propositions, si demain un caractère prescriptif se pose au SRADET et que de fait, ce sera demain le contenu de mes documents d'urbanisme. » Et donc, il est clair qu'aujourd'hui, il y a une vraie revendication des élus de par le changement de nature. Mais c'était déjà prescriptif. Ça l'est plus avec l'obligation dans le fascicule des règles générales. Non mais ça l'est plus du fait de l'inscription obligatoire dans le fascicule des règles générales, ce qu'on ne demande pas. Il n'y a pas de souci. Nous, on demande d'en revenir à la loi NOTRe, c'est-à-dire... Voilà. Ah ben, c'est bien de changer. C'est pour ça que pour nous, c'est un dispositif avec lequel on est d'accord. Simplement, par rapport à la proposition, là, si j'ai bien lu la proposition de loi, c'est de dire que ça sera obligatoirement dans le fascicule des objectifs, donc dans le simple niveau de prise en compte. Nous, on proposerait peut-être d'en revenir à la loi NOTRe, c'est-à-dire de laisser la liberté aux régions de travailler un peu en finesse aussi les règles générales sur la sobriété foncière, si elles le souhaitent. Voilà, tout simplement. Mais bon, après, c'est pas... Mais que ça ne soit pas dans le fascicule des règles générales, enfin, c'est convergent là-dessus et on a en plus très bien compris le recours de l'AMF, hein, puisque c'est venu par décret d'application en plus. Donc pas de souci là-dessus, on est convergent. Sur la conférence régionale, notre seul sujet, c'est d'être opérationnel. C'est-à-dire, bon, j'ai bien vu, on regardera et on fera des propositions aussi, hein, sur la composition et sur la nature de ce qui peut être proposé, des pouvoirs et des prérogatives données. Simplement, là où on vous alerte, c'est de dire, ce ZAN, si j'en parle... tous les VP aménagement de territoire de toutes les régions seraient dans la même situation que moi. Et les présidents de région qui sont vraiment, qui ne peuvent pas faire un rendez-vous avec un élu depuis un an sans qu'on leur parle du ZAN, hein, très franchement, tout le monde est assez au fait des choses. Donc la concertation, c'est plutôt notre intérêt de la faire, les régions. C'est ça que je veux vous faire entendre. Bien sûr, certaines régions se sont plus ou moins engagées dans la sobriété foncière, ont testé et tout. Mais au final, on s'est tous retrouvés de façon assez convergente. Et on fait beaucoup de benchmarking, simplement on fait en même temps, hein. Donc on a un groupe de travail SRADET, Région de France, on fait beaucoup de benchmarking, les présidents en parlent en assemblée de Région de France pour voir où ils en sont, ce qu'ils font, et la situation dans laquelle on est à peu près tous, je peux vous citer, j'ai la liste et on a fait le travail avec les équipes, j'ai la liste de où en sont toutes les régions exactement sur la situation de blocage actuelle à peu près, il n'y en a qu'une ou deux qui continuent à avancer un peu dans le calendrier. Donc on partage quand même un peu la méthode. Simplement, vous n'aurez pas réglé le sujet de la représentation de chaque maire rural parce que dans une conférence régionale des SCOT, il sera représenté par 10 maires ruraux. Voilà, hein, ce problème de comment faire redescendre en granularité, en finesse, la pédagogie de ces sujets-là, je ne pense pas que cette conférence régionale du ZAN y répondra à 100%. Ça m'étonnerait. Vous aurez toujours des maires qui découvriront un peu... voilà. Et encore une fois, le fait de travailler par profil, et il y a plein de choses dans cette proposition de loi qui nous apparaissent très intéressantes. Ce que vous proposez sur les communes littorales ou sur les communes de montagne, c'est-à-dire de tenir compte déjà des injonctions qu'elles ont, c'est évidemment très intéressant. Moi, j'y suis favorable. Est-ce qu'il faut cumuler... Le sujet, c'est de ne pas perdre de vue quand même un objectif global de sobriété foncière. Est-ce qu'il faut cumuler le fait de rendre en renaturation ce qui aura été finalement démoli ou abandonné du fait de l'évolution du trait de côte, plus ne pas décompter
en consommation foncière ce qui sera construit de nouveau. Je ne sais pas s'il faut cumuler les deux, sincèrement. Mais bon, votre proposition, elle a au moins l'avantage de nous faire nous interroger là-dessus. Mais en tout cas, compter ça de façon différente, oui. Pour la montagne, et pour la loi montagne, c'est pareil. Il y a plein de sujets sur lesquels c'est intéressant de faire avancer les choses. Et si la loi change, parce que le sujet et les discussions qu'on a avec le ministre, c'est qu'il nous a dit qu'il ne changerait pas la loi. Ce qu'il voulait réécrire, c'est les décrets d'application. Donc si la loi change à travers cette proposition, tant mieux, ça vous permet de proposer des dispositifs qui vont être de nature à rassurer les élus. Et je ne suis pas sûre que la conférence... Tout simplement parce que là, il y aura des choses écrites que les SRADET devront respecter. Et nous, on respecte la loi, donc que les SRADET devront respecter. La conférence régionale du ZAN, encore une fois, avec ses pouvoirs, et nous demandons, il y a des conseils régionaux aussi parmi nous, de délibérer systématiquement en justifiant de pourquoi on n'a pas tenu compte de tel projet ou de tel projet. Je ne vais pas dire usine à gaz, mais la foire d'Empoigne, on va la connaître. Et la façon dont chacun va regarder le voisin et comment nous, régions, on va justifier que là, on va en tenir compte et là, on ne va pas en tenir compte, franchement, ça va être très compliqué à objectiver. Le sujet d'un SRADET, c'est qu'on doit être dans de l'objectivation. Voilà. Et si on va dans des particularismes et qu'il faut qu'on justifie par délibération systématiquement de tous les particularismes ou de notre refus du particularisme, je crains que ça soit compliqué. Et je crains aussi juridiquement que ça soit assez instable. Voilà, c'est juste ça. Si cette conférence doit exister pour nous et les 7 AAP, bah, si, quand même, on les réunit. Quoi qu'il en soit, hein, c'est même une obligation. Alors peut-être que toutes les régions n'ont pas exactement les mêmes pratiques. Et après, sur les sujets de garantie rurale, de décompte et tout ça, il faut regarder les choses. En Nouvelle-Aquitaine, on a plus de... Frédéric, Eric, Christian... définition INSEE, je pense qu'on a 4100 ou communes. Hein, 4100 communes qui sont en ruralité, critère INSEE, en Nouvelle-Aquitaine. Ça fait 4100 hectares. Plus les 3005 des grands projets, sachant que sur notre rapport de consommation foncière passée, on était à 46 000. On divise par deux, c'est 23 000. De 23 000, vous enlevez les 4 000, vous enlevez les 3 000. La remutualisation, le pourcentage, il va se complexifier. Après, franchement, voilà, hein, pourquoi pas, hein, ça s'étudie, ça se regarde. Hein. Mais bon. En tout cas, ça, c'est à l'échelle locale que ça doit se travailler. C'est certainement pas au SRADET de se justifier ou de travailler ces sujets-là pour les communes. Non, c'est pas notre objet, c'est pas notre demande.